Voilà. C'est la connexion. Moi aussi, mes connexions là, 2 jours là, deux. Ouais, bonjour les gars. Moi-même, le direct là, même le portable là, je vous parle. Ça, c'est quel portable ça là? Le portable là, je vous parle. Le portable, je vous parle. Le portable, je vous parle. Mais c'est pas grave. On fait avec. Partagez, partagez d'abord. Voilà. Partagez d'abord. Partagez d'abord, partagez d'abord, partagez d'abord. C'est même pas affiché, c'est. Ah! Champi, tu dis quoi? La France a gagné. Ah, félicitations. Mais nous, on fait rien, ça. Voilà. Ils n'ont qu'à gagner. Moi, je supporte l'Angleterre. J'ai 3 équipes que je supporte. Ouais. J'ai 4 équipes. J'ai au moins 4 équipes. Voilà. L'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine, le Sénégal. Voilà. C'est les 4 équipes. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Chapitre, tu dis quoi? Je vais rester où ça? Comment tu peux souhaiter prison à Peter? Champi, toi aussi. Ja, faut pas faire les choses comme ça, cher. Hein? Tu peux pas souhaiter prison à quelqu'un. Ça... Partagez, dans 2 minutes, moi je commence. Je parle pas trop. Même. Dans 2 minutes seulement, je vais donner mon avis sur cette histoire de Peter en prison. Voilà. Je vais donner mon avis sur Peter en prison. Mon portable est sous. Non. Il souhaite la mort au président. Ah, ça c'est Facebook, man. Nous tous on sait que Peter c'est un gigolo. Peter c'est un gigolo, man. Voilà, Peter c'est un gigolo. Faut laisser ce qu'on a dit. Il faut regarder vidéo là même. Moi, parce que je vais frapponner. Je vais frapponner même. C'est même pas. Je vais frapponner. Dans 2 minutes. Je commence mon direct dans 2 minutes. Ouais, parce que là, l'heure est grave. Chanel Design, comment tu vas? Je suis en live. Attends, j'ai fini live là. Je vais t'appeler. Après mon live, je t'appelle. Partagez, partagez. Voilà. Je vais frapponner, je vais frapponner tout à l'heure, mais je vais frapponner.
je vais framponner. Ouais. On dit la France a gagné. Félicitations à la France. Voilà. Ils ont gagné, je les félicite. Même si je ne les supporte pas, mais je les félicite parce qu'ils ont gagné. Moi, mon équipe, c'est l'Angleterre, c'est l'Argentine, c'est l'Espagne, c'est le Sénégal. Voilà, ça chauffe même pas. Dans quatre, là, au moins, il y a un qui peut gagner. Bah. Ah. Poupée Lamine, ouais. Poupée Lamine. Bon, je vais pas durer. Parce que là, après, moi, je dois disparaître. Qui a mis et toi la même? Je vois même pas le nom en plus. Ah, toi, je vois même qui a mis. Peter, laisse pour toi là. Hey, j'ai dit Peter. Le Phénix, laisse pour toi là. Mireille Lebré, voilà, c'est ça, mettez les cœurs pour chose. Bon, je vais commencer. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est le chouchou, DJ Publicité de London. Ben, je fais cette vidéo-là, moi je passe pas par, voilà, deux poids, deux mesures. Voilà, nous souhaitons tous la libération de Peter 007. Voilà, Peter 007. Voilà, nous souhaitons sa libération. Parce que quand on regarde, quand on analyse, franchement dit, tout ce qu'il a dit, c'est sur Facebook. Facebook là, si on doit condamner à cause de Facebook là, toute la Côte d'Ivoire doit être arrêtée. Tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, nous devons être tous arrêtés. Voilà. Nous demandons la libération de Peter 007. Parce que Peter 007 là, tout ce qu'il connaît là, c'est un gigolo. Peter, c'est un gigolo. Tout ce qu'il connaît là, c'est femme. Tout ce qu'il connaît, c'est femme. Voilà. C'est femme. Libérez Peter 007. Si on doit condamner parce que quelqu'un a fait des vidéos pour dire il a fait apologie des coups d'État, a fait apologie des cadavres de la mort, apologie de quoi, apologie de quoi là. Si on doit condamner par rapport à ça là. Mais c'est qu'ils n'ont qu'à condamner tous ceux qui ont fait choses là. Comment elle les appelle là? Désobéissance civile. Désobéissance civile. On doit les condamner aussi. Oui. On doit les condamner. Désobéissance civile. On doit les condamner. Mais si on ne les a pas condamnés, c'est Peter 007, on va condamner par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait même, à part Facebook? À part Facebook. Vous cherchez les noms, apologie des coups d'État, apologie des choses. Non, il a insulté le président. Si on veut calculer ce qu'a insulté le président, Alassane Ouattara, on ne va pas quitter ici. Oui? On ne va pas quitter ici. Oui. Soit on doit arrêter, on doit envoyer les gens à la Maca parce que les gens ils ont insulté le président de la République là. C'est que ça ne devait pas commencer par Peter. C'est que ça ne devait pas commencer par Peter. Parce que tous les cyberactivistes là, eux tous, ils ont insulté le président de la République. Mais ils sont là, ils vont à Abidjan, ils reviennent. D'autres même, ils vivent en Côte d'Ivoire. On ne les touche pas, on ne touche personne. Et pourquoi c'est Peter? Et puis, vous, les gars de RHDP, là, vous, les gars de cyberactivistes RHDP, là, moi, franchement, je suis fâché contre vous, quoi. Parce qu'on parle de réconciliation. Réconciliation. Quand on dit réconciliation, là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est deux camps qui ont fait palabre. Deux camps qui ont fait palabre, qui se sont tués, qui se sont chamaillés, qui se sont insultés, qui ont fait tout. Dieu merci, ils ont créé un poste ministère. Aïe, 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 wow, l'espagnol me manque, l'espagnol me manque. Hein? On parle de réconciliation. Et puis tous les morts de RHDP, là, tous les cibles, vous tous, vous êtes sortis pour mettre le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Par rapport à quoi? À cause de quoi? Joe, dites la vérité, les cyberactivistes RHDP, là. Si Peter a baisé vos femmes, là, dites la vérité.
Oui, dites la vérité. Pourquoi vous tournez là? Dites la vérité. Si Peter 007 a baisé vos femmes, vous avez ça en cœur. Parce qu'on dit, c'est un gigolo, c'est un morgue qui baise des femmes. Hein? Si Peter a baisé vos femmes, c'est dans vos cœurs. Vous avez avalé jusqu'à... Vous avez attendu qu'il arrive à Abidjan pour faire sortir ça là. Dites la vérité. Parce que moi personnellement là, je ne vois pas problème de Peter à pas faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Montrez-nous une vidéo de Peter 007 où il a attrapé les armes en train de faire caca. Montrez-moi, moi je vais voir ça. Je vais voir une vidéo où Peter a les armes en train de tirer à pas son Mamou depuis 11 ans. Peter en train de faire Mamou, il est joli garçon, il prend une go ici, il prend deux go là-bas, il prend deux go ici, il prend deux go là-bas. Mamou, à pas Mamou, dites la vérité. À part ça là, il a fait quoi? Parce que tout ce qu'on dit là, c'est Facebook, man. On va se blaguer. C'est Facebook. Tout le monde se donne un genre sur Facebook. Tout le monde se donne un genre. Un genre. Il y a d'autres qui disent que sur Facebook, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Mais en réalité, là, ils font 2 jours, 3 jours sans manger. C'est Facebook. Il y a d'autres qui disent que c'est eux qui ont installé Ado. C'est Facebook. Il y a d'autres qui disent à cause d'eux, Emmanuel Macron est président. Mais c'est Facebook. Chacun se donne un genre. Tout le monde est beau sur sa caméra. Tout le monde est joli sur sa caméra. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas voiture. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas maison. Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. Tout le monde est riche sur Facebook. Non? Aïe. Pourquoi c'est Peter? À partir de Peter là, on arrête. On l'arrête. Pourquoi? 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 C'est quelle réconciliation ça? C'est quelle réconciliation ça? Parce que ça là, j'avais pas problème. Si c'est pas les morons du RHDP qui ont mis le feu jusqu'à ça s'allumer. Dites la vérité par rapport à quoi? Hein? Mais attends, si on doit arrêter Peter là, c'est qu'on doit arrêter aussi les morons du RHDP qui ont fait des vidéos incitation à la haine aussi. On a vu un là, il y a un qui est à une chose, je sais pas si c'est en Suisse là, il s'appelle IB. IB quoi là? Il a fait bidon. On n'a qu'à tuer tous les Bablés, on n'a qu'à tuer tous les Bétés, on n'a qu'à tuer tous les Niabois, tous les Guérés, tous les Sénifos, on n'a qu'à les tuer. Mais lui, il est parti au pays, tapis rouge. Ils ont mis tapis rouge. Ils ont mis tapis rouge sur lui. On a vu un encore. Il s'appelle quoi là? Éclaireur ou bien quoi là? Éclaireur dit, si tu n'es pas Djoula, ceux qui ne sont pas Djoula, on n'a qu'à les tuer tous. Il est parti en Côte d'Ivoire, ils ont mis tapis rouge. Aïe. Ils ont mis tapis rouge. Sans compter ceux qui ont fait mécon au président. Pour ne rien comme ça, ils ont insulté le président. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont mis tapis rouge. Pourquoi à partir de Peter 007, c'est là tout le monde du RHDP là se lève maintenant. C'est parce que Peter a baisé vos femmes. Dites la vérité. Oui, il a baisé vos femmes. Oui, il y a longtemps vous avez ça en cœur. Il y a longtemps vous avez ça en cœur. Peter 007 a maplogogo. C'est à cause ça vous êtes chaud chaud. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont qu'à condamner Peter à 20 ans de prison, 40 ans de prison, 150 ans de prison. Par rapport à quoi? Apologie des coups d'État, apologie, il a dit ceci, escadron de la mort, mais tout ça c'est Facebook, man. Tout ça c'est Facebook. Tout le monde est beau sur Facebook, tout le monde est beau sur Facebook. Peut-être il s'est donné un genre de choses, peut-être en faisant ça, les petits gos vont venir, les petits gos vont venir, les petits gos vont venir. Effectivement, les petits gos sont venus. Il a baisé les femmes des choses là, les cyberactivistes du RADP là. Peter 07 a baisé vos femmes. Dites la vérité, le Morgan il a maplo gogo. Ça quoi ça, man? On peut même pas respirer. Tu vois, on dirait la seule politique en Côte d'Ivoire là, c'est le problème de Peter. C'est rien grave ici, c'est rien grave. Ça là, on donne amende. On donne amende pour ce que Peter 07 a fait là, c'est amende. Amende, parce que c'est Facebook. M'as-tu vu? Vois-moi.
M'as-tu vu? Vois-moi. Je me donne un genre. C'est moi, j'ai fait que Emmanuel Macron est président. C'est DJ Publicité de London qui a fait que le roi d'Angleterre, là, il est roi. C'est grâce à moi. On se donne un genre, ou bien Chapi. Alors, on se donne un genre. On se donne un genre. Il y a des gens qui, sur Facebook, là, ils disent, ils ont 50 voitures, ils ont 80 voitures. Moi, j'ai jet privé, j'ai avion. Mais tout ça, on sait que c'est du mensonge. Tu sais, on n'a qu'à penser à la réconciliation. Quand on dit réconciliation, là, c'est deux parties qui se sont battues et on décide de peser les choses. Peser les choses, comment on va venir condamner? Bon, on va condamner Peter 07 et après vous allez venir parler encore de réconciliation. Par rapport à quoi? Si ils n'ont pas condamné IB, ils n'ont pas condamné Éclaireur, ils n'ont pas condamné tous les morts du RADP qui ont fait vidéo pour tuer les Ivoiriens là. On a qu'à dire, on ne les a pas condamnés, on ne les a pas arrêtés. C'est que pour Peter aussi, on ne doit pas l'arrêter parce qu'il ne doit pas avoir de deux poids, deux mesures. Oui, non. Peter n'a rien fait. Peter, c'est un gigolo. Quand vous regardez Peter, là, il peut faire coup d'état. De vous à moi. Blague à part. Quand vous regardez Peter, il peut faire quel coup d'état. De vous à moi. Dites-moi, une preuve qui prouve que Peter peut faire un coup d'état. Montrez-nous. À part les femmes qu'il a baisées. À part les femmes qu'il a pris, leur argent, il est rentré en brousse. À part les femmes. Maintenant, vraiment, moi, je ne comprends pas. On dit que quelqu'un, il a décidé de changer. Peter 07 a décidé de changer. Jusqu'à, il est tombé amoureux. Peter est tombé amoureux de Emmanuel Keïta. Il est tombé amoureux. C'est pour ça qu'il a commencé à se donner le nom. Mamou. C'est parce qu'il est tombé amoureux. Voilà. L'amour de Emmanuel Keïta, ça arrivé, ça fait 4 mois, il y a 4 mois de relation. Peter 07 avec Emmanuel Keïta, 4 mois, mais le Mogwai n'arrive pas à oublier cette femme. C'est parce qu'il a aimé. Hey, on est qui? Moi, je suis un ancien gigolo. Peter 07, c'est mon collègue gigolo. Nous deux, lui-même, il connaît. Lui et moi, il connaît. Il connaît quel système on a tracé, système de gigolo. Il connaît. Mais moi, je me suis retiré parce que moi aussi, à la fin, je suis tombé amoureux. Oui, ça arrive. Ça arrive. Peter, c'est un gigolo. C'est pas un faisant de coup d'état. Peter, c'est un gigolo. C'est pas un mort de escadron de la mort. Peter, c'est un gigolo. C'est pas tout ce qu'on dit là. Il n'est pas ça. Il est juste un gigolo, quelqu'un qui aime les femmes. Le matu, lui, vois-moi. Mamou. Mais à la fin, là, est-ce que le mort, il faisait vidéo? Peter ne faisait plus vidéo parce qu'il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. C'est parce que les autres cyber-activistes là, RADP là, il n'y a pas un encore qui est tombé amoureux. C'est à cause de ça, depuis là, ils ne font pas vidéo. Et ils font vidéo seulement. Sinon, quelqu'un qui est amoureux là, il ne fait plus vidéo. Quelqu'un qui est amoureux là, il ne fait plus vidéo. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez tous les jours en train de faire vidéo? Non, il fait vidéo un temps. Vous pensez que quoi? C'est parce que j'ai le temps pour une femme. Quel temps j'ai venu placer mon portable pour dire non. Quelqu'un qui fait vidéo matin, midi, soir, il n'est pas amoureux. Il n'y a pas une femme qui est dans sa vie. Il n'y a pas une femme qui touche son cœur. Il n'y en a pas. Et de même aussi pour les femmes. Les femmes qui font vidéo matin, midi, soir, elles ne sont pas amoureuses. Le jour qu'elles vont trouver quelqu'un amoureuse là, elles vont arrêter de faire vidéo. Elles vont arrêter. Donc un temps, quand ils ont annoncé le fiançailles de Peter avec Emmanuel Keïta, est-ce que vous avez vu le Mogwai faire vidéo? Le Mogwai a arrêté de faire vidéo. Le Mogwai, il a arrêté de faire vidéo. Il était amoureux, les chemises, les petites cravates. Jusqu'à Peter buvait, jusqu'à Peter prend petit déjeuner. Un croissant au café. Aïe, Emmanuel Keïta, oh, Emmanuel Keïta, eh, nyawa. C'est Emmanuel Keïta qui peut faire. Qui peut faire qu'un gigolo va prendre petit café et un croissant le matin. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Peter a changé, il faisait plus vidéo. Quand l'amour est fini net, il a repris vidéo là. Donc, je vous montre encore les preuves. Les preuves qui prouvent que quand vous voyez quelqu'un te faire vidéo, c'est parce qu'il n'est pas amoureux. Il n'a pas go ou bien elle n'a pas gars. Ça ne chauffe pas. Peter ne faisait plus vidéo jusqu'à ce qu'il s'est séparé d'Emmanuel Keïta. Il a repris vidéo un temps seulement. Jusqu'à ce qu'on dit Emmanuel Keïta à Abidjan, lui veut aller voir clair. Ils l'ont proposé une émission.
en Côte d'Ivoire. Malgré qu'il a fait les bidons, il ne se reproche rien. Si Peter est parti en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il ne se reproche rien. Oui. Bido, ça s'arrête sur Bido. Donnez-moi le nom d'un président qu'ils ont élu à Facebook. Vous aussi, vous les morts du RADP là. Mettez un peu d'eau dans vos vins. Donnez-moi le nom d'un président qui a été élu par Facebook. Ah, vous aussi. Hein? Alassane Ouattara n'a pas été élu par Facebook. Il a été élu par les Ivoiriens. Maintenant, pourquoi vous voulez condamner Peter parce qu'il a dit quoi sur Facebook? C'est sur Facebook. Aïe. C'est sur Facebook. On juge sur Facebook. On juge sur Facebook. Tu m'as clashé, je te clash. Tu as insulté ma maman, j'insulte ta maman. Et c'est Facebook. Laissez votre histoire là. Eh non, 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 non. Non, 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 non. Si vous condamnez Peter 007, c'est que vous-même, vous avez un ramba même, un momo de cœur même celui qui n'a rien à voir avec les vidéos qui sont sorties. Oui, ça c'est la vérité, qui n'a rien à voir parce qu'il n'a rien fait. Le monsieur n'a rien fait à part que c'est le meilleur gigolo de l'année. 2021, 2022, Peter a été élu le meilleur gigolo de l'année. À part ça là. À part le gigolotisme, parce que jusqu'à il a fait gigolo, jusqu'à il est tombé sur Emmanuel Keïta. Elle a bouffé ses 5000 euros. Mais c'est 5000 euros là, que Peter, on dit là, il a cancer. Là. Peter a cancer. Il a cancer de mal. 5000 euros que Emmanuel Keïta a bouffé là. C'est pour ça qu'il a suivi chose. Ils l'ont proposé, il est parti. Il est parti, on dit non, il a risqué, voilà, bien. Il va risquer par rapport à quoi? Quelqu'un qui va dans son pays, il risque. Putain, n'a rien risqué. Il savait qu'il n'y a rien. Il savait qu'il était dans la réconciliation. Il savait qu'il y a le ministre Kakabe, le ministre de la réconciliation qui est là. C'est quoi ça, putain, est parti? Maintenant, il est parti, ils ne l'ont pas arrêté. Est-ce qu'il il voulait traverser l'aéroport là? Il y avait son nom, il y avait son nom à l'aéroport. Non. Il est sorti parce que le gouvernement ivoirien n'a pas affaire à lui. Peter, c'était trop petit. Aïe, tiens. Peter, là, c'est qui? Il est qui? Et puis lui va venir faire coup d'état. Il est qui? C'est rien que du matin vu. Maintenant, c'est le moment du RHDP, là. Vous, là, vraiment, hein. C'est le moment du RHDP, là. Ils ont cherché les vidéos, les copier-coller, jusqu'à rien que pour incriminer Peter, je pourquoi? Parce que le monsieur là dans le passé, il a baisé femme de beaucoup de cyberactivistes. On a quand j'ai dit la vérité, man. On a quand j'ai dit la vérité. Là dit shérif, tu es le meilleur cyberactiviste pro RHDP. Mais là, ce moment-là, tu as gâté ton nom. Tu as gâté ton nom. Nous tous, on regarde tes lives. Hein? Là dit shérif, on regarde tes lives. Mais un coup comme ça là, tu as laissé la politique, tu es sur Peter, comment tu peux descendre bas comme ça? Hein? Tu as fait tout pour encourager les autres cyberactivistes de faire des vidéos sur Peter. Le monsieur là, il a fait quoi? À part les vidéos de Facebook, apologie là, c'est quoi? Là, dit shérif, quand il est à Peter là, il peut faire coup d'état. Là, j'ai cherché de toi à moi. Quelqu'un de toi-même, tu le dépasses en taille. Toi, tu penses que Peter peut faire coup d'état. Non, faut pas, on va se blaguer. Vous êtes dans quoi? C'est quelle haine de quoi là? C'est quelle haine de ça? Est-ce que Peter ne faisait pas vidéo sur Alassane Ouattara avant? Est-ce que Peter 07 ne faisait pas vidéo pour Alassane Ouattara? Jusqu'à même, il est allé au pays, vous avez mis tapis rouge. Alors, on dit ça a changé, il fait bidon, c'est Facebook, le Mathieu vit, vois-moi. Aïe, on dit on fait bidon pour parler d'Alassane Ouattara. C'est parce qu'il est président. C'est parce qu'Ado est président qu'on parle de lui. On parle d'Ado parce qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Ouais, les gens font clash avec Ado parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Les gens disent du n'importe quoi sur Ado parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a longtemps, on ne parle plus d'Oufou Boigny. On ne parle plus d'Oufou Boigny. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus là.
Le jour que Adon n'est plus là, qui va parler de personne? On va parler du prochain président qui sera là. C'est le game de Facebook. Ou bien, on a se dit la vérité, c'est le game de Facebook. Vous prenez ça là comme ça, genre problème personnel. Il n'y a pas de problème personnel dans ça là. Peter Zorro, ça n'a rien fait. Rien. Il a fait bidon comme tout le monde, comme tous les cyberactivistes. Il a fait bidon comme tous les cyberactivistes. Tous les cyberactivistes, ils ont insulté l'opposition, ils ont insulté le parti au pouvoir, ils ont dénigré, ils ont déterré, ils ont fait tout, comme tous les cyberactivistes. Même l'Adji Chérif, il a insulté. Tous les membres du RADP, ils ont insulté, ils ont déterré cœur, ils ont déterré corps, ils ont déterré maman, ils ont déterré papa, ils ont tout fait. Alors, pourquoi arriver si Peter là? On l'arrête. Il y a un qui sur Roche. C'est passé Moro là. Hein? Il a baisé. Il a maplo. Ouais. Il a maplo beaucoup de femmes de RADP. Ça veut dire que vous en voulez. Pourquoi on va cacher? Lui-même, il m'avait dit ça avant. Ça veut dire que vous en voulez. À cause d'un petit truc, vous êtes sorti sur lui comme ça. Vous êtes sorti sur lui comme ça. Pourtant, il y a les morales de RADP aussi qui ont fait vidéo. Si, ils n'ont qu'à tuer les pétés, ils n'ont qu'à tuer les baoulés, ils n'ont qu'à déterrer les sénifaux. Il y a des morales de RADP là qui ont fait. Mais pourquoi eux, on ne les a pas arrêtés? Parce que eux, ils ne peuvent pas baiser les choses. Ils ne peuvent pas baiser. Donc, comme pour Peter, il a baisé. Donc, on doit l'arrêter. Quand même, ça fait honte. Vous, quand même, cherchez à condamner. Quelqu'un, un vidéoman, c'est ça à condamner un gigolo à 20 ans de prison, de vous à moi. Un gigolo. Il est parti à Bijan, c'est à cause des femmes. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Peter va aller en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Hein? Coup d'État. Il est parti en Côte d'Ivoire à cause des femmes. Hein? À cause des femmes. Quand il voit les seins d'Emmanuel Keïta, quand il voit les fesses, il se dit à Abidjan aussi, si Emmanuel Keïta s'est raté là, il peut frapper aussi les Emmanuel West aussi, pourquoi pas. C'est à cause ça, il est parti à Abidjan. Oui, gigolo toujours. On ne doit pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Un gigolo reste un gigolo. Quel que soit le problème, un gigolo doit être toujours devant. C'est parce que j'ai arrêté un peu gigolo là. Aïe, ou bien? C'est parce qu'il a arrêté un peu gigolo. Sinon, un gigolo, ceux qui doivent gouverner même le pays, là, c'est les gigolos. Hein? Arrêtez pour vous, là. Oh. Vidéo ici, vidéo. 150 000 vidéos sur Peter. C'est comme le monsieur a fait quelque chose. Il n'a rien fait de bon. Peter 007 n'a rien fait, à part les vidéos des clashs, des haines, comme tous les deux cyberactivistes. Les vidéos que Peter 007 a fait là, c'est les mêmes vidéos que tous les cyberactivistes de GPS, les vidéos de RADP, les vidéos de PDCI, les vidéos de tous les vidomans, tous les cyberactivistes, ils ont fait les mêmes vidéos là, des criements, injurements, hein, hein, insulté, quoi, ça, c'est quoi? Qu'on a l'exemple de Peter, l'exemple de Peter va donner l'exemple, non. Là, je dis, si on devait prendre un cyberactivisme pour faire exemple, on devait prendre éclaireur. Là, je dis, on devait prendre éclaireur. On devait prendre IBD qui est en Suisse, là. Parce que quand on regarde eux les vidéos, et puis on regarde pour Peter, là. Ça, c'est pour Peter, là. Et c'est quoi? C'est Ebona. Là, je dis, tu es tout descendu bas. Pourtant, on t'aime. Tu fais tes vidéos de RADP, tu fais les trucs de politique, mais un coup comme ça, tu es rentré bas comme ça. Tu es descendu bas. Peter, hein? Là, c'est de toi, je parle. Tu es trop descendu peur. Tu es trop descendu bas. Jusqu'à même, tu as chargé le problème de Peter là sur ta tête quand même. Il faut charger les problèmes de Gbagbo. Il faut charger les problèmes de Kakabe. Il faut charger les problèmes de Sorokium. Il faut charger les problèmes de Alassane. Il faut charger les problèmes. C'est ça, on dit. C'est un cyberactiviste pro RADP. Tu te fais respecter. Les gens, ils vont te faire respecter. Tu ne peux pas descendre comme ça. Descendre en train de parler de Peter. Peter, un gigolo. Peter, c'est un gigolo. Mamou, c'est Mamou qu'il connaît. Là, je te lance un défi.
Montre-moi une vidéo où Peter a attrapé les âmes et puis il a fait ga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 g
lui, parce qu'il est dans la merde, mon frère. Il est dans la merde. Toi, tu viens, tu fais bidon, tu attends d'encourager, tu attends de faire sortir même d'autres papos, même d'après toi-même. D'autres papos, ou putain, dit, il va pisser sur qui, il va pisser sur quoi. Toi, attaquer un pasteur, comment tu peux faire sortir ça? Non, mon frère, non. Tu as un mauvais cœur sur Facebook, hein? Makoso, Makoso, non, mais tu as un mauvais cœur sur Facebook. Pour ta visibilité, tu es capable de tout. Pour ta visibilité, tu peux enfoncer un frère, aller prendre 20 ans de prison. Pour ta visibilité, j'ai eu mal, pute. Makoso, j'ai eu mal de ta vidéo. Et puis, je vois d'autres cyber, je vois d'autres blogueurs qui font vidéo pour te dire, puis, Makoso, Makoso, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu es un pasteur, man. Tu es un pasteur. Tu es un pasteur. Faut demander pardon. Tu es un pasteur. D'où tout son sacré putain de recette là. Il a zaillé. Il a fait les bidons. Il a zaillé. Comme tous les autres cyberactivistes, ils sont zaillés. Alors, faut pas se blaguer. C'est pas putain seul. Putain a zaillé. C'est des mots qu'on peut pas dire. Mais c'est, on appelle ça l'euphorie. L'euphorie des réseaux sociaux. Oui. Parce que quand tu te connectes là, tu vois 12 000 personnes, 20 000 personnes, tu penses que tu es le plus beau. C'est ça qu'on appelle Facebook. Maintenant, si on doit faire un règlement de compte, on doit prendre un pour mettre sur Facebook pour donner l'exemple aux autres là. On devait commencer d'abord en tout cas, on devait commencer. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui devaient être dedans à la maca avant Peter. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, j'ai mal. Hé, hey, clac. Clac. Big up à toi depuis ta position en Italie. Ouais, il s'appelle Clac. Ouais, ça c'est mon ami depuis le terminus 40. Affaire à suivre. Voilà. Donc, mon dernier message, c'est au ministre. Le ministre de la Réconciliation, Kwaku Kwadwo Bintin, KKB. Monsieur le ministre, c'est ton petit frère, DJ, publicité de Londres. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan de KKB que moi. Hé, hey, Champi Kader, big up à toi, depuis ta position aussi. Ouais, lui aussi, il est à Londres. Il s'appelle Champi Kader. Ouais, big up à toi, mon frère. Je parlais de KKB. KKB, vous êtes le meilleur ministre au monde. Oui. Je peux dire, à cause de KKB, grâce à KKB, il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Oui. Grâce à KKB, il n'y a pas eu de guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que la dernière élection a failli envoyer les Ivoiriens à la guerre civile. Ouais. Parce qu'il y avait désobéissance civile et il y avait l'autre camp. Ils étaient prêts à s'affronter. Parce qu'aucun, aucun candidat voulait poser sa candidat. Personne. Et voulait en découdre. Chacun voulait en découdre. Il a failli un sauveur. Un sauveur, Kwaku Kwadwo Bintin, alias KKB. KKB, KKB est parti, il est parti poser sa candidature pour sauver la Côte d'Ivoire. Ah oui, pourquoi vous ne voulez pas dire? Lui qui a sauvé la Côte d'Ivoire, ça s'appelle KKB. Lui qui a sauvé la Côte d'Ivoire de la guerre civile, la dernière élection, là, c'est KKB. Le fait d'aller poser sa candidature, ça fait que on a coupé coup en même temps. Kouma Bana, il y a eu élection et les autres se sont calmés. Tout le monde s'est calmé. Et puis Kouma Bana. Normalement, on devait applaudir à ce monsieur. On doit applaudir à ce monsieur. KKB, le ministre de la Réconciliation. Monsieur le ministre, c'est ton petit frère. Disait Brigitte de Londres. Clémence. Clémence. Vous devez utiliser votre nom de ministre de la Réconciliation pour faire libérer Peter 007 alias Assalé. Assalé Pierre, monsieur le ministre KKB, on vous demande clémence, pardonnez, mettez votre main dans cette histoire. Parce que Peter 007, son seul délit, c'est qu'il a fait des vidéos. Comme tous les cyberactivistes, monsieur le ministre. Comme tous les cyberactivistes, ils ont fait des vidéos d'apologie au coup d'État. Apologie, injure au président, injure au ministre, injure au député. Comme tous les cyberactivistes, que ce soit RADPO, PDCIO, PPACIO, FPIO, Prosoro, tout le monde a fait vidéo
apologie. Monsieur le ministre, Peter 07 est seul dans cette histoire-là. Il ne peut pas payer pour tout le monde. Peter 007 ne peut pas payer pour tout le monde. Monsieur le ministre, tout le monde sait que Peter 007, c'est un gigolo. Il est le meilleur gigolo ivoirien en diaspora. Voilà, il est le meilleur gigolo. C'était mon ancien collègue. Nous deux, on était gigolo. Mais moi, je me suis retiré parce que je suis tombé amoureux. Donc, j'ai laissé le gigolo là dans sa main. Mais Monsieur Kakabe, Clémence, mettez votre main pour une personne qui a fait que des vidéos. Des vidéos, apologie au coup d'État, apologie à ces injures au président, injures à ça, monsieur le ministre. Ça, c'est tout le monde, tous les cyberactivistes. Tous les cyberactivistes. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a fait des vidéos. Parce que nous tous, nous attendons des vidéos de Peter où il avait les armes en train de tirer, en train de tirer sur les gens. Depuis que Peter est en Europe, on ne l'a jamais vu en train de faire palabre. Depuis que Peter est recette, on ne l'a jamais vu en réunion former un groupe pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Tous les âmes de Peter, c'est les Mamou, joli garçon, Mamou, il a deux go, il a trois go, Mamou, il prend la des go ici, des femmes ici, Mamou, monsieur le ministre, voilà ce qu'il fait. À part ça, monsieur le ministre, il est le meilleur gigolo. C'est le meilleur gigolo, c'est mon ancien collègue des gigolos. Monsieur le ministre, pardonnez, mettez votre main pour libérer Assalé Pierre, alias Peter 007. Parce que ce monsieur, il n'a rien fait, à part faire des vidéos de m'as-tu vu, vois-moi. Monsieur le ministre, il y a assez, il sait que vous pouvez. Vous êtes le meilleur ministre. C'est vous qui avez sauvé la Côte d'Ivoire. C'est grâce à Kakabé, il n'y a pas eu de guerre civile. Parce que c'est grâce à votre candidature, monsieur le ministre, ça coule ça. Les autres candidats opposants, opposition comme le parti au gouvernement, là, ils se sont tranquillisés, ils se sont calmés. Alassane a fait son mandat en même temps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. C'est grâce à vous, Kakabé. Kakabé, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez sauvé la Côte d'Ivoire de la guerre civile. Kakabé, c'est vous qui avez fait partir Abou Galié, Abidjan, sans palabre. Kakabé, c'est vous qui avez fait partir des exiliés en Côte d'Ivoire, sans palabre. Monsieur Kakabé, le ministre de la Côte d'Ivoire de la réconciliation, monsieur le ministre, Assalé Pierre est courbé à la maca. Son seul délit, c'est un gigolo. Le meilleur gigolo de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur gigolo. Son arme là, c'est le gigolotisme. Jamais, à part Mamou, le monsieur là ne peut pas faire coup d'état, c'est la bouche. Le monsieur là ne peut pas être escadron de la mort, c'est la bouche. Le monsieur là ne peut pas faire tout ce qu'il a dit là. On appelle ça le m'as-tu vu, vois-moi. Tous les cyberactivistes, tous les blogueurs, tout le monde se donne un Jean. Tout le monde est beau sur Facebook. Tout le monde est joli sur Facebook. Tout le monde ressemble à Jésus sur Facebook. Et tout le monde ressemble à Mahomet sur Facebook. Mais quand tu coupes ton téléphone, là, tu fais 2 jours sans manger, tu fais 3 jours sans manger. Souvent là, c'est Aoko qui te prend. Parce que go même là, tu n'as pas. Go, parce que tu fais ça, tu fais comprendre sur les réseaux sociaux que tu as le go. Ah, tu as le go, mais en réalité, c'est les savants. Savants, belle ivoire. Il y a d'autres même là, tellement que savants jouent parole là. Ils prennent bouteille, ils écrasent, ils font mou, mou, mou. Et ça là, ils prennent ça pour frapponner Aoko. Oui, mais quand ils allument là, ils se disent les dangereux. Monsieur le ministre Kakabé, vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur de votre génération. Monsieur Kakabé, vous êtes le meilleur. Je vous demande pardon. Mettez votre main dans cette histoire de Peter Assalé Pierre. Parce que le monsieur, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est faire des vidéos comme tout le monde. Faire des vidéos, si ça, on appelle apologie au coup d'État. C'est qu'on doit dire aussi apologie de coup d'État à l'Ali Chérif, apologie de coup d'État à tous les cyberactivistes. Merci. Je sais que le ministre va faire. Si le ministre a pu faire venir, a pu faire entrer tous les exiliés, hein, en Côte d'Ivoire sans problème, c'est pas pour Peter qui va le dépasser. Adou Richard, Yayassé, Adou Richard, Yayassé, N.A. Yaya. Yayassé, Makoso, tu es pasteur. Faut faire vidéo
tu as demandé pardon, tu as calmé les choses au lieu d'inciter à la haine. Vu quand même tu fais vidéo, tu incites à la haine et puis tu mets les gens encore dedans. Ça n'a qu'à beaucoup, ils n'ont qu'à donner 45 ans à Peter et après maintenant tu viens éteindre le feu. Si comme il y a, ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris, ça c'est Makusso. J'ai pas aimé ta vidéo là, j'ai pas aimé ça, mais hypocrisie totale.